Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi la Bohème ? Parce que la Bohème, c'est une des œuvres les plus fantastiques du répertoire lyrique et qu'on revisite ces œuvres d'année en année ici dans la cour du Palais des Princes-Évêques. Alors, notre dernière Bohème datait de 2004, donc 10 ans plus tard, il y a prescription. Elle était magnifique avec Jean-Michel Follon à l'époque qui avait fait la scénographie. Donc, j'ai attendu un peu parce que j'avais un peu peur. Après une belle réussite, comment faire mieux? J'espère qu'on va séduire le public avec une équipe artistique de choc pour cette deuxième production de la Bohème ici au Palais au mois d'août prochain. Et ça se passe quel jour? C'est le 20, 21 et 22 août, donc 3 soirées sous les étoiles, ici dans cette magnifique cour du Palais des Princes-Évêques. Spectacle à 21h, il faut réserver ses places bien longtemps à l'avance parce que comme vous le savez, chaque année on est à guichet fermé. C'est quoi l'opéra pour tous ? L'opéra pour tous, c'est une volonté, pour ce qui nous concerne, dans ce type de production et parfois d'autres également, de dire que justement, l'opéra, elle n'est pas fait que pour un public restreint et élitiste, même si on a des passionnés d'opéra qui viennent chaque année voir notre production parce que le metteur en scène est d'une carrure internationale. Elvis Pompilio est passé maître dans la création des chapeaux et vous allez voir qu'il le sera aussi dans la création de costumes parce que nos chanteurs sont exceptionnels, mais même si les mélomanes s'y retrouvent, le tout large public qui n'a jamais été de sa vie à l'opéra, il peut sans problème pousser les portes de l'opéra en plein air parce qu'il va découvrir l'opéra dans des conditions beaucoup plus fantastiques, beaucoup plus naturelles, étonnantes, avec beaucoup de plaisir parce qu'aussi on écrit le spectacle avec cette volonté de lisibilité, de compréhension pour tous les publics. Et s'être entouré d'un professionnel du spectacle, c'est un plus ? C'est indispensable. Sur l'opéra, on ne peut pas faire place à l'amateurisme parce que c'est très complexe d'arriver à jouer, à chanter, à faire de la musique, tout ça en même temps. On est obligé de s'entourer de tous ces professionnels. C'est, d'année en année, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais cette année, la Bohème, c'est une histoire d'artiste sur scène. Et donc, je voulais trouver, pour écrire ce spectacle, des gens qui avaient vécu et qui vivent ou qui vivent encore aujourd'hui cet esprit de Bohème. Parce que si vous avez vécu dans cet esprit, vous allez évidemment le traduire avec beaucoup plus de facilité et d'émotion sur la scène. Et donc, ils vous l'ont dit ici, il y a une demi-heure en conférence de presse, Albert-André Lheureux, le metteur en scène, Elvis Pompilio, le créateur des costumes, Eric, le chef d'orchestre, ils ont tous vécu cette vie de bohème. Aujourd'hui, évidemment, avec l'âge, avec un peu plus de facilité, même s'ils l'ont toujours à l'esprit, ce qui est très important, mais ils l'ont vécu. Et donc, ils vont pouvoir nous le faire ressentir. Pour toi, c'est une première, tu participes à la mise en scène. Ouais, c'est en fait une première officielle, je suis très fier parce que en général, je ne souhaite pas me mettre en avant, mais il se fait que en 20 ans de production, j'en ai signé en fait beaucoup en co-signature, mais j'ai jamais voulu y être parce que j'étais déjà producteur et que ça suffisait, mais je m'étais déjà essayé à pas mal de mises en scène qui ont beaucoup séduit et dont on a jamais parlé. Ici en fait, comme il n'y avait pas de co-signature, je me retrouve seul et donc évidemment avec le nom qui apparaît, j'en suis très flatté, mais j'espère surtout que le spectacle séduira le public et que le concept de scénographie, qui est ce concept de labyrinthe de la vie, de la vie où tout est possible en tant que jeune et puis où malheureusement les chemins se resserrent et finissent par aboutir au seul chemin inéluctable de la vie de tous, j'espère que cette conception du spectacle séduira tout l'ensemble du public. Et comme c'est chaque année, tu as pris un pacte avec la météo et cette année c'est pareil, chaque fois ça passe, il ne pleut pas. Mais je pense que les dieux du ciel sont avec la musique, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de soucis météo à Liège et donc on espère avec la chance habituelle qu'on aura un spectacle aussi magnifique que l'année passée où je pense les gens étaient en chemise dans les tribunes tellement il faisait beau, quoi. Merci Cédric, à bientôt. Bonjour. Vous pouvez vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Éric Lederandler, je suis donc chef d'orchestre et le directeur musical de la production d'opéra en plein air pour cette édition. Et alors, pour ici la première en Liège ? Non, pour ma part, c'est déjà un parcours assez important puisqu'effectivement, ça fait 15 ans que je suis associé d'une manière ou d'une autre aux productions. Ça doit quand même représenter, à mon avis, ma 12e participation à l'opéra en plein air, notamment ici dans la cour du Palais des Princes-Évêques, chaque été à Liège.
Mais il y a un nouveau défi, en fait, on va amplifier ça d'une manière un peu tout à fait nouvelle. Alors, vous pouvez expliquer la technique ? Oui, tout à fait. Ça a déjà été amorcé l'an dernier. On va évidemment davantage perfectionner. Donc l'idée, c'est de profiter de l'acoustique de cette merveilleuse cour du Palais du Prince-Évêque pour avoir une amplification qui n'est plus une amplification vraiment importante telle qu'on peut doit la pratiquer dans des festivals de type rock. Il s'agit ici vraiment d'une amplification d'ensemble, donc des micros qui entourent le plateau au lieu d'avoir un micro pour chaque chanteur et l'orchestre amplifié de manière beaucoup plus légère. Donc en fait, on va entendre les voix beaucoup plus au naturel, beaucoup plus le timbre exact, plutôt qu'une voix qui est tout de même légèrement déformée par une amplification beaucoup plus forte. Les lieux aussi, la réverb des lieux et compagnie, ce sera naturel. Absolument. Je crois que c'est très très important de profiter de l'acoustique naturelle de l'endroit dans lequel on se trouve. Et ça crée aussi un sentiment d'intimité qui est aussi beaucoup plus important. Et pourquoi la bohème et qu'est-ce que ça représente pour vous, la bohème ? Écoutez, pour moi, la bohème, c'est un bijou, c'est une perfection, c'est un des plus beaux opéras qui ait jamais été écrit. Ce n'est pas pour rien que c'est un des opéras les plus joués au monde. C'est un opéra court, bref, très direct, qui parle des problèmes des gens, qui ne parle pas de grandes histoires légendaires ou historiques, qui évoque de manière très très simple de monsieur et madame tout le monde les problèmes de la précarité, de l'amour, de l'amitié, la jalousie, le rapport à l'art, etc. Et c'est aussi une musique merveilleusement touchante, en continu, qui ne s'arrête jamais de la première à la dernière minute. Donc je crois que pour ces deux éléments-là, c'est un opéra qui convient parfaitement au type de public que nous espérons toucher dans le cadre de cette opération. Bonjour Elvis Pompilio. Comment est-ce? Bien, bien, grazie. Voilà, depuis 1979, c'est ça? Oh, ça fait longtemps, oui. Et que tu crées des chapeaux dans le monde entier et parcours New York, Anvers, Paris, Italie. Et maintenant, de se retrouver créateur de chapeaux et maintenant carrément costumier pour un opéra La Bohème, en plus italien, Puccini. Mais c'est un grand projet, je suis ravi parce que c'est un exercice différent, mais en même temps, pas trop compliqué pour moi parce que quand je fais des chapeaux, quand je fais des défilés personnels, je fais aussi tous les vêtements moi-même pour les personnages. Là, c'est différent parce que les personnages sont choisis, l'histoire existe déjà, mais ça va être bien. Et qu'est-ce que t'exprime la bohème exactement comme opéra? Ça donne des idées de couleurs, d'émotions, voilà. Oui, mais oui, l'opéra La Bohème, pour moi, ça fait partie un peu de ma jeunesse, en fait. C'est quand même dans un milieu artistique, donc ça me plaît beaucoup. Je retrouve un peu des ambiances que j'ai pu vivre moi-même et des situations aussi. Et tous ces personnages sont très attachants et je vais essayer de faire pour le mieux. Mais c'est vrai que je suis vraiment content de commencer. On ne sait jamais s'il va y avoir un second opéra où on me demandera de faire les costumes, mais de commencer par celui-là ou de faire celui-là, en tout cas, en ce moment, je suis ravi. Mais il y a des costumes, mais aussi des chapeaux. Ah bien sûr, il y a beaucoup de chapeaux. D'ailleurs, il faut que je me fasse violence pour ne pas en mettre, parce que de temps en temps, il y a des personnages sur qui il ne faut pas de chapeau. Mais j'essaye quand même de faire pour le mieux et de faire une version... qui plaira beaucoup aux gens parce que ça va être assez intemporel finalement comme version. Et ces chapeaux sont faits à la main aussi? Tout est fait à la main. Chaque pièce est faite à la main sur mesure pour chaque chanteur et choriste. Les vêtements aussi, il y a des essayages. Vraiment chaque personnage, et que ce soit le choriste qui est un tout petit rôle ou que ce soit un chanteur principal, je ne fais pas de différence entre pour les costumes, en tout cas ni pour les chapeaux, je ne fais aucune différence. Parfois même le vendeur de ballons ou de poupées qui passe juste un moment et qui n'est qu'un choriste, c'est déjà un beau travail, et bien parfois est plus travaillé en costume que certains personnages principaux. Bonjour, pouvez-vous présenter? Albert-André Lheureux, metteur en scène de La Bohème au Palais des Princes-Évêques en fin de mois d'août. Et pourquoi avoir choisi le thème La Bohème? Écoutez, je crois que c'est très très important que la Bohème existe d'abord. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui sont dans des difficultés monstres, par exemple pour payer leur cote quand ils sont à Liège et aller à l'université. Ils vivent une vie de bohème. Les artistes, la même chose, je parle des intermittents
du spectacle, par exemple, en France, ou tous les artistes ici en Belgique, ils ont vraiment du mal à nouer les deux bouts. Donc, c'est vraiment un thème contemporain, où les factures affluent tout le temps d'électricité, de gaz, de trucs, où il faut payer sa bouffe, c'est pas facile, où il faut payer son chauffage. Donc, la bohème, c'est vraiment un thème d'aujourd'hui, mais éternel, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont refuser les concessions. Et c'est ça qui est très important. Quand on veut construire une vie, et c'est Oscar Wilde qui le disait, il ne s'agit pas seulement d'exister. Il faut vouloir aimer, par exemple. Il faut vouloir vivre sa vie, mais une vie comme celle qu'on veut vivre. Et donc, pour faire ce choix, c'est très dur, parce que par exemple, c'est l'art pour un peintre, il croit en son art, il ne changera pas parce qu'un personnage lambda lui dit « oui, mais j'aime pas très bien ça, je voudrais que vous fassiez quelque chose de plus léger, c'est un peu trop sombre, etc. » Non, c'est vraiment l'art pour l'art et donc la volonté de faire ce qu'on aime. C'est comme pour un étudiant, la volonté de réussir sa vie. Mais pas seulement exister en... Je ne jette la pierre à personne. Je crois qu'il faut que tout le monde, mais dans tous les métiers, il faut que la passion soit là. Et qu'avec la passion, on passe le moment difficile, qui est le moment de la jeunesse, mais qui est aussi le plus beau moment de vie. C'est, donc il faut, même quand on a peu de choses à bouffer, il faut rire, il faut aimer, il faut être positif, il faut aimer la lumière. Et je disais tout à l'heure, mais même dans l'obscurité la plus profonde, il y a de la lumière. Donc un prisonnier, un otage, s'il ne pense pas à la lumière, il n'en sortira pas. Donc, pour s'en sortir dans la vie, quelqu'un comme Picasso, comme Modigliani, ils ont dû croire en leur œuvre, en faisant des choses que personne ne voyait à l'époque, le cubisme, le truc, personne ne croyait qu'un jour Picasso allait être un des peintres les plus cotés du monde. Donc je crois que la bohème, c'est ça, c'est vouloir, et aussi, vous me disiez, il y a des jeunes chanteurs, mais c'est formidable, des jeunes chanteurs belges en plus de tout. Donc il faut les aider, il faut leur faire confiance, il faut qu'ils puissent chanter des premiers rôles et pas chanter trois phrases dans un opéra qui les engage. Il faut vraiment croire aux gens, c'est pas toujours les vedettes qui sont les mieux d'ailleurs, c'est souvent des jeunes qui ont beaucoup de talent et qui se révèlent. Et c'est vrai que grâce à Cédric Monnoy et grâce à Opéra pour tous, beaucoup de jeunes belges se sont révélés. Et est-ce que le fait d'avoir Evelyse Pompilio auprès de vous, ça va donner une couleur un peu plus... Absolument. D'ailleurs, c'est ce que je voulais, c'est qu'il y ait vraiment... si vous voulez, je crois que la jeunesse est fantaisiste. Elle a un esprit... moi, mon frère, il allait chez les Azous, hein, écouter Juliette Gréco ou Claude Luther ou Sidney Bechet dans des bars de Saint-Germain-des-Prés à l'époque. Il était en couleur rouge et noire avec des gros carreaux. Je crois que tout le monde a envie de faire sa maladie de la jeunesse, une maladie très positive, où on peut rencontrer le grand amour et puis, hélas, le lâcher après quelques mois parce que la jalousie entre en ligne de compte, parce que l'amour n'est pas celui qu'on pensait, parce que c'est toutes des histoires de jeunesse, tout ça. Et c'est ça qui est beau. Et la jeunesse, elle est colorée, elle est vivante, elle a envie d'exploser. Et c'est ça qu'on voit dans le premier, dans le deuxième acte, dans le troisième, non, parce que là, c'est vraiment l'hiver, c'est la maladie, c'est la haine, c'est la jalousie. Mais même dans le quatrième acte, qui est l'acte de la mort, je trouve que la lumière est très importante. On peut partir bien aussi, accompagné par ses amis. Et puis la mort, on doit tous y passer. Il n'y a pas de solution. Il faut se faire à l'idée, quoi. Et moi, je ne voudrais pas mourir, mais bon, vous non plus, j'imagine. Personne ne veut mourir, mais bon, on y est. Hein, c'est au moins la seule chose exacte et juste. Tout le monde meurt. Bah écoutez, bon spectacle. Merci beaucoup. Merci à vous.